Juste, je vais vous montrer comment est-ce que je commence mes dreadlocks. Un cheveu, vous ramenez en bas, vous trouvez un peu d'essence, vous mettez dedans, après vous revenez de l'autre côté, vous descendez encore. Le bout, pour le bout, tu prends le crochet, tu mets dedans, tu fais ça. Voilà, tu fais ça. Vous attendez le bruit. Voilà. Et voilà, c'est fini. Bingo! Après avoir fait le rétus, voilà comment est-ce que mes doigts se trouvent. Je mange beaucoup d'œufs, je mange les avocats, je mange les mangues, je mange la banane. Il y a la biotine, il y a le zinc, il y a la vitamine B6. Un an, 6 mois, si vous ne voulez pas avoir des dreadlocks comme ça dès le début, un an, 6 mois, lorsque vous faites le crochetage, vos cheveux pourront descendre. Avant de commencer les locks, disons par exemple, demain c'est le jour J où vous allez commencer vos dreadlocks, rassurez-vous de laver vos têtes proprement aujourd'hui avec de l'eau tiède pour enlever l'huile dans vos têtes, pour que vos cheveux soient réellement naturellement sèches, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Et comme ça, le jour J, comme par exemple aujourd'hui, utilisez le crochet que je suis en train d'utiliser. Moi, par exemple, je suis en train d'utiliser le 0.25 mm. Vous pouvez choisir votre numéro. Ça, cela dépendra des portions que vous allez prendre et des sections que vous allez faire et de la densité de vos cheveux, je fais comprendre. Et après ça, commencez le crochetage. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'eau, je fais comprendre. Même si l'eau touche ma tête, je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que c'est bien fait avec le crochet. Mais je ne vais pas laver mes cheveux aujourd'hui parce que j'ai lavé ma tête hier. Je les ai rendus propres. Aujourd'hui, j'ai fini mon crochetage et je ne vais pas prendre de risques pour s'il y a certaines parties qui ne sont pas bien faites pour ne pas les renverser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre 2 semaines. Après 2 semaines, je vais commencer à laver mes cheveux 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Je fais comprendre. Et je n'aurai pas de peur du que je lave ma tête, je vais défaire mes cheveux. Je fais comprendre. C'est ce que vous devez faire. Je fais comprendre. Faites le crochetage de façon très, très propre et voilà, c'est tout. Troisième point, on me dira que lorsque vous ne voulez pas avoir de gros trucs dans le futur, commencez dès le premier jour avec des petites sections et des petites portions. Si vous comprenez, vous voyez mes sections et mes portions, ils sont petits et ils ne sont pas gros. Donc, dans ce sens-là, lorsque mes cheveux vont grandir dans le futur, mes cheveux ne seront pas gros, ils ne seront pas aussi, tellement petits. Et je serai dans le milieu-là et ça va me donner de bons trucs sur ma tête. Mais l'erreur que beaucoup de personnes font, ils font d'abord, ils vont choisir les grosses sections, les grosses portions. Et puis, dans le futur, lorsqu'ils ont des gros trucs sur leur tête, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle en anglais le palm rolling, faire comme ça, parce qu'ils veulent rendre le dread petit. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous devez commencer dès le jour, le premier jour de votre journée de dreadlock. Comme aujourd'hui, c'est mon premier jour de journée de mon dreadlock, j'ai fait les petites sections, les petites portions. Donc, je n'ai pas à faire les palm rolling dans le futur pour dire que je vais rendre mes dreadlocks petits. Voilà, c'était tout par rapport à cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions si je suis là pour répondre à vos questions et restez connectés pour la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le like button. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, c'est pas grave, laissez-moi en commentaire savoir qu'est-ce que vous n'avez pas aimé par rapport à la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que j'inclue dans ma prochaine vidéo? Merci et au revoir.